Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2 sur la nouvelle map The Darkest Shore. Donc c'est un glitch qui consiste à faire spawn des zombies trésors en illimité et les accumuler pour réussir les défis cachés qui est d'obtenir, attendez 2 secondes je vérifie ça, qui est d'obtenir une relique d'une valeur douteuse. Donc il faut l'obtenir la partie A, la partie B et la partie C. Il faut les 3 parties pour débloquer le personnage Corbeau de Sang. Donc voilà, vous savez très bien que c'est pas évident parce que chaque zombie trésor ne vous donne pas directement le défi A, le défi B, le défi C. En fait, ça les donne un peu aléatoirement. Alors pour ceux qui veulent faire le glitch, parce que là le glitch il est pas patché, et obtenir le personnage Corbeau de Sang pour ceux qui ne l'ont pas, c'est tout simple. Par contre, j'ai vraiment pas le temps de vous montrer tout en vidéo, donc je vais vous montrer deux vidéos. Je mettrai 2 vidéos en description, donc je vous invite à aller les voir. La première vidéo que je vais vous mettre, c'est comment ouvrir la salle de Nertus. Parce qu'en fait, pour faire spawn un zombie trésor, il va falloir ouvrir toute la map et au moins vous rentrez, vous sortez de la salle de Nertus, pas besoin de tuer les 3 mushlers, vous rentrez, vous sortez. Ensuite, vous venez dans le glitch, c'est un glitch out of map. En fait, il faut absolument que ce soit un glitch out of map parce que si c'est un pile-up AFK, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit un out of map et en fait, les zombies trésors vont spawn près de vous et ne mourront pas en fait. Et en fait... comme ils vont pas mourir, ben ils vont rester là tout le temps et vous allez pouvoir les tuer et les accumuler plutôt, excusez-moi, vous allez pouvoir les accumuler beaucoup. Donc là, on peut voir que j'en ai 2, je pense que j'en ai 3 parce qu'il y en a un qui est à l'extérieur mais qui ne va pas mourir parce qu'il ne me détecte pas. Donc il va respawn à l'intérieur. Mais en fait, pour que ça spawn, il va falloir du temps. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir toute la map et puis après, rentrer dans le glitch. Donc la deuxième vidéo, c'est la vidéo où je présente justement ce glitch. Il faut sauter à travers la porte. Donc j'ai vraiment pas le temps de vous le présenter maintenant, je dois partir. Donc voilà, je vous mettrai les 2 vidéos tuto pour le glitch et pour la salle de Nertus en description si vous ne savez pas comment faire. Alors, il va falloir, quand vous êtes dans le glitch, vous pouvez ne tuer aucun zombie. Hein. Moi, j'ai tué aucun zombie. Et à partir, donc le premier zombie Bombers va apparaître entre 0 minute et 1h15, c'est totalement aléatoire. Mais le deuxième Bombers va apparaître après 1h15, toutes les heures quart, vous aurez un bomber, c'est sûr, c'est vérifié, c'est validé. Toutes les heures quart, un bomber s'apparaît. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous mettre dans le glitch, avoir ouvert la salle de Nertus, avoir ouvert toute la map, vous mettre dans le glitch, aller dormir, vous restez dans le glitch, comme ça, vous êtes immortel. Hein. Vous allez dans le glitch, le lendemain, quand vous vous réveillez, vous êtes sûr d'avoir 6 ou 7 bombers. Et là, vous êtes sûr que, ça dépend le temps que vous dormez, hein, bien sûr, si vous êtes un grand dormeur comme moi, vous en aurez 10 de bombers. Donc après, c'est sûr... qu'en tuant les 10, vous allez bien finir par débloquer votre défi A, B et C. Donc moi, je sais pas combien de temps je suis resté, mais essayez aussi de tirer à la deuxième tête du Zombie Bombers. Moi, je suis pas resté trop longtemps. Donc, on peut voir qu'il en reste qu'un seul à l'extérieur. Donc quand il despawnera et qu'il se respawnera, je pourrais le tuer. Là, je vais mettre fin à la partie parce que moi, j'ai déjà ce personnage-là. Donc regardez, donc on va voir. Voilà, je suis resté 6 heures. Il m'a fallu au moins 30 minutes, 30-40 minutes de préparation pour ouvrir toute la salle, toute la map. Après, j'ai eu un Bombers qui est apparu à la manche 12. Dès que j'ai ouvert la porte de Nertus, il est apparu. Donc celui-là, je l'ai perdu. Donc j'ai dû attendre 1h15. C'est pour ça que j'en avais que 4. Parce qu'il a fallu que j'attende et que la partie a duré que 6 heures. 6h30. Donc voilà, j'en ai eu 4. Mais si vous restez 8 heures, vous en aurez 6, peut-être 7. Etc. Plus vous allez rester, plus ça fonctionnera. Donc là, je vais vous montrer le personnage qui est débloquable. Donc voilà, le chasseur Corbeau de Sang, c'est ce personnage-là. Moi, personnellement, je trouve que c'est le plus stylé. C'est le premier que j'ai eu et depuis, je n'utilise que celui-là. Il est vraiment stylé de ouf. En rouge comme ça, donc vous savez que c'est une variante du chasseur normal. Hein. Donc regardez, maintenant, je vais vous montrer les défis. Donc les défis, c'était collectionneur d'antiquité. Donc défi broutille, butin de seconde main et bibelot sans valeur. Alors dérober une relique d'une valeur douteuse, c'est les 3 les mêmes. Vous n'aurez pas perdu un truc, un voleur et demi. Et qui volera ça? Qui volerait ça? Donc voilà, ça c'est les 3 défis et c'est en tuant des zombie members que vous débloquez ces 3 défis. Donc c'est pour ça que vous proposez ce glitch. Donc je suis vraiment désolé, j'ai pas eu le temps de
mieux préparé la vidéo. Donc vraiment désolé de le faire un peu à l'arrache. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Là, il faut vraiment que j'y aille parce que je dois m'apprêter pour aller au karting. Normalement, on va aller au karting, on n'a pas pu y aller la semaine passée. Mais bon, je pense que ça, vous vous en foutez royalement. Si vous ne vous en foutez pas, dites-le aux commentaires, ça peut être intéressant. Donc voilà, alors je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon week-end, profitez bien et n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager pour m'aider à évoluer sur YouTube si vous voulez me voir grandir et grandir avec moi en même temps. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos. Allez, ciao, peace. Yummy, bruh.